Voilà, je vous fais un petit coucou pendant ma promenade. Hein, donc, comme on est en agglomération, il faut mettre un masque. Donc, je mets un masque. Donc, je promène mon toutou. Alors, je vais vous la montrer si elle veut bien. Oui, bonjour, mamie. Voilà, donc elle est fort contente. Donc là, je vais enlever un petit peu mon masque. Voilà, ça fait du bien. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Hein, puisque maintenant, il faut montrer sa tronche sur YouTube. Vu que la reconnaissance faciale. Allez, je vous embrasse, au revoir. Voilà, comme vous n'avez pas bien vu ma Mimi, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, regardez, attendez. Voilà, là, je vous montre ma Mylène. Hein, donc là, on revient de promenade. Donc, elle est un petit peu fatiguée, un petit peu paf. Hein. Donc, ça fait du bien. Autrement, entre deux, elle est quand même assez pénible. Puis je vais vous montrer un petit peu l'endroit où j'habite. Voilà, donc là c'est pas ma maison là. Voilà, ça ici. Là il y a des arbres. Je vais aller un petit peu par là, je vais vous montrer. Ça c'est désert. Voilà. Donc à peu près tous les jours, je fais un petit tour. Je vais pas parler de patois du Nord, hein. C'est pas bien. Voilà, donc là c'est un endroit assez tranquille, on va dire. Puis ma Mimi, elle aime bien, comme ça, sous plein d'herbes. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, donc là c'est une belle journée ensoleillée. Hier il pleuvait pas mal. Hein. Donc là, je vous montre. Là, c'est les arbres. Je ferai une vidéo sur mes fleurs. Voilà, parce que là, il n'y a pas de reconnaissance faciale avec les fleurs. Il ne faut pas leur demander leur autorisation. Voilà. Donc là, c'est là. Puis là, voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que après, c'est toujours la même chose. Là, on voit les clochers au loin. Je vais essayer de bien montrer. Ou à l'église. C'est le village d'à côté. Mais bon, ça, on peut faire tout le tour. Hein. Voilà. Là, c'est tous les villages. On a pas mal d'éoliennes par ici. C'est dommage, ça gâche le paysage. Mais comme ça fait du bien à la planète. Et nous, un endroit, on a une éolienne tous les 100 mètres. Oh, exagère, hein, les passages. Voilà, voilà. Donc là, on entend l'avion. Là, c'est assez boisé, hein, par ici. On l'appelle le bois, alors forcément, c'est boisé. Voilà, puis il y a les petits oiseaux qui chantent, tout ça. C'est génial. Voilà. Bah, je suis avec mon chien. Alors, je suis désolée si ça tressote un peu, mais c'est Mylène, regardez. Voilà ce qu'elle fait. Elle se purge. Oh là, si elle pouvait se purger de sa connerie. Mais non, ça la garde. C'est comme sa maîtresse. Voilà. Voilà, bonjour. Je suis au lendemain de ma petite balade que j'ai fait hier. Avec Mimi, avec Mylène. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura été sympathique. Après bon, c'est minimaliste, hein, c'est pas le Pérou, mais bon, c'est juste pour montrer où j'habite. Hein, mais après je vous ai pas tout montré. Hein, c'est quand même il y a quand même plus de choses que ce que je vous ai montré. C'est un village, hein. Après c'est pas la mer, c'est pas la montagne, c'est pas c'est pas le Pérou, hein, mais bon, c'est... Alors peut-être, hein, je dis bien peut-être, que je ferai des petites vidéos comme ça, en vous montrant
les petites villes qui se trouvent autour, les églises, après je ne sais pas si on a le droit de faire, des musées, des trucs comme ça. Ça peut être sympathique, ou bien les jardins, ça peut être bien, hein, donc voilà. Je le ferai peut-être. Donc, je sais pas, je voulais vous parler aussi, je sais pas si vous avez vu au niveau de votre boîte mail, donc si vous avez eu un petit message. Donc, il va encore avoir des modifications qui vont être faites au niveau de YouTube. Donc, il commence à nous saouler grave, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, regardez. Alors, pour ceux qui monétisent, donc, il va falloir mettre la main à la poche, d'après ce que j'ai vu. Donc, ils vont mettre une taxe. Enfin, ils vont, comme un impôt, quoi, sur les revenus des créateurs. Donc, moi, comme je n'ai pas un gros je ne paierai point. Après, il y a un truc aussi sur la reconnaissance faciale. Donc, on aura, je pense, j'ai pas bien percuté hein, ce que ça voulait dire exactement, donc faudra que je le lise. Ah, donc, ce que j'ai lu, c'est ce qui devient officieux devient officiel. Donc, et que ça changera pas grand-chose, ils ont marqué. Enfin, ce que j'ai compris, attention, hein, ce que j'ai compris. Donc, on verra bien. Donc, moi, je ne sais pas hein, si j'ai beaucoup de copyright. Hein. Donc, si jamais, vu que je monétise pas, bon, ben, si je perds ma chaîne, ben ça, hein, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Et puis, je verrai bien si je refais une chaîne avec, dans ce cas-là, ben, je mettrai plus de copyright. Je ferai des tutos, j'aime bien des petites blagounettes. Donc, je ferai des petites blagounettes avec des dessins un petit peu cons. Et oui, des poèmes, des histoires pour enfants, des trucs comme ça. Donc, j'espère que ce sera autorisé. Et puis que après, je verrai bien ce que je vais faire exactement. Puis si ma chaîne elle disparaît, ben basta. Ce que j'aurais de plus de peine, c'est de perdre mes amis. Parce que j'ai des amis qui sont vraiment sympas ici, puis que j'aime beaucoup. Donc, ça me ferait beaucoup de peine. Mais bon, je sais bien qu'on peut pas rester éternellement sur YouTube. Donc, j'espère qu'ils continueront et puis qu'on a passé de bons moments à blaguer, à rigoler. C'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Et là, à la fin de la vidéo, vous allez voir, j'ai mis une petite pancarte que j'ai trouvée dans ma ville où j'habite. Hein. Donc, vous allez voir, c'est insolite, il faut savoir que nous, on est quand même à Donf. Hein. On est à Donf pour le corona, pour les gestes barrières, pour les masques. C'est peace and love. Donc, ça se trouve dans un lieu insolite où il n'y a pas. Je vais pas vous le dire hein, ce que c'est, vous verrez à la fin. C'est pour garder le suspense. Donc, j'ai pris la photo parce que j'ai trouvé ça tellement étonnant. Puis, il n'y a pas grand monde là-bas. Enfin, si, y a du monde, mais bon. Donc, vous verrez, hein, vous verrez à la fin, puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, bon, c'est un petit peu con que j'ai pris comme photo, mais bon, c'est pour blagouiller, c'est pas méchant. Voilà, donc sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais de gros gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, faites attention à vous. Là, on est en fin de pandémie, j'espère de tout cœur, hein, puis qu'avec la vaccination, ça va s'arranger. Puis voilà, qu'on va sortir de cette crise. De toute façon, il y a bien un moment ou un autre, faut que ça se termine. Hein. Puis qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. Enfin, après, on garde toujours des trucs comme ça où on n'en sort pas indemne, ça c'est sûr, mais au moins reprendre une vie normale et puis que les gens puissent travailler normalement, s'amuser, partir en vacances, tout ça, voilà.
Voilà, bah je vous fais de gros gros bisous. Puis si vous partez en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, un petit peu avant l'heure, mais on est quand même bientôt au mois de mai, donc juin, juillet, août, ça va aller vite. Hein. Puis revenez bouffer. Allez, je vous fais de gros gros bisous. Puis à bientôt. Allez, au revoir.